Salam alaikum mbolo mi ngén bal ma ci jaguet bi ma sol dama ci fatali ku grand long time yes may ñu ngi nuyu ñep di rafetlu ñi fi ñi téwaayu artiste yi di rafetlu téwaayu promoteur yi producteur yi mais également les acteurs politiques de tous bords li ñu fi indi lén la l'appartenance politique de Nid Dof dañ koy jël tek ko à côté suñu mbokk la artiste la artiste la et nous sommes militants de la liberté d'expression artistique d'abord parce que l'art par essence liberté la artiste bi nga xamantene fondé wo sa création ci liberté da fay corrompre sa création pourquoi je parle de l'artiste parce que effectivement Nid Dof est d'abord un artiste et il se réclame artiste et à travers son art il prend des positions courageuses comme d'autres rappeurs le font dans leur travail li ñu remarquer moy à partir d'un live bi nga xamantene mom def nako dénoncer si la question du troisième mandat demander si au juge de prendre leurs responsabilités pour que le pays ne s'embrase pas parce que effectivement à partir d'une décision de justice on peut aller vers le chaos. Il a également rappelé à travers ce live qu'on a eu des antécédents. En 2012, il y a eu des morts. Et il ne faut pas qu'on ait de nouveaux morts. Il l'a rappelé. Et ça, c'est important. Mais ce qui est important, à la suite de ce live, conscient de, effectivement, de son excès de colère, que j'expliquerai après personnellement en tant qu'artiste, c'est parce que la colère est permise dans la création artistique. Donc, après, à la suite de son live, il a dit « Man, mangi djégalu ñep parce que j'ai parlé sous le coup de l'émotion. Je pourrais m'éviter un certain nombre de choses. » Et par anticipation, quelqu'un qui s'excuse, mais soxlawo diko arrêter. Si par exemple l'arrêter pour qu'il s'excuse, pour l'humilier, tu ne peux pas l'humilier parce qu'il s'est excusé. Finalement, l'État est dos au mur. La justice est dos au mur parce que question Youmelni, c'est des questions qu'on peut négocier, discuter pour effectivement dire à la personne tu as fait ça, ne refais plus ça. Et lui-même a dit mangi djégalu ñep. Mangi djégalu ñep, juge bi ci la bok, magistrat ci la bok. Et il y a énormément d'aberrations. Pourquoi? Parce que effectivement on dit désobéissance, appel à l'insurrection, menace de mort, il y a rien. Il n'y a rien de cela qui apparaît effectivement dans ce live. Donc en fait, les chefs d'accusation à son endroit sont inventés de tous bords et c'est mensonger. Il est important que Képoukounek Sénégal, qu'on travaille tous ensemble à lutter contre la promotion et la promotion du mensonge. Parce que Fenn qui deuk bi, il faut commencer à dire Bernard Dayobu, Amsola, finalement Fenn niru deuk. Parce que nous avons fait des fans, culturellement, nous avons fait des fans. Ce que nous avons fait, c'est disproportionné. Et puis, là, nous avons remarqué délit d'opinion. Moi, dans ce pays, personne ne doit plus parler. C'est-à-dire, ou bien, quand vous êtes de l'autre bord, vous n'avez pas le droit de parler. Pendaba a parlé. D'autres personnes ont parlé, les menaces de mort de personnes connues appartenant au camp du pouvoir, lors où c'est connu et c'est vu et c'est entendu. Et il y a des éléments, il faut que les journalistes également le rappellent et le relèvent. Parce que les journalistes, c'est leur travail, la répétition, le rappel est pédagogique. C'est important de faire revenir et de faire un travail de comparaison pour pouvoir amener la justice à prendre conscience et à prendre de bonnes décisions. Parce que le pays est sous tension. Maintenant, moi je lance un appel à tout le mouvement hip-hop. Ni fit, ni mak, ni gana nek khale, tout le monde. Et qu'on est en train également de faire un travail de mobilisation derrière de la nouvelle génération, de la génération binek ti digbi, etc. Et génération binga mantene mo fi jitu. Et en ce sens, on apprécie énormément la présence de Ndongo. Certes, yaguñu len gis ñu am ay position politique. Moi, je suis très heureux de le voir ici prendre cette position-là parce que c'est important. Parce que, arrivé à un moment, quand on se tait, on est complice de ce qui se passe. Quand on se tait, on a une responsabilité par rapport à ce qui se passe.
Maintenant, la liberté, on ne la demande pas, on l'arrache. Et pour arracher la liberté, il ne faut pas être dans la négociation, il faut lutter sur le terrain. Il faut que toutes ces personnes qui se disent fans de Nidof et sympathisants de PASTEF, que les gens se mobilisent pour qu'effectivement sortir Nidof de la prison. Le sortir de la prison, c'est se mobiliser pour dire au président Macky Sall et à la justice sénégalaise que vous êtes en train de commettre une forfaiture, et que cette forfaiture, elle risque de nous amener dans une situation bo xamantene ken duko meuna netali après. Parce que si on arrête, si les rappeurs et les autres artistes, qu'ils soient peintres, qu'ils soient dans le théâtre, qu'ils soient dans le graffiti, si les artistes ne se mobilisent pas, demain ça va être le tour d'un autre artiste. À travers son expression, il sera encore emprisonné. Il est important qu'on se mobilise parce que Nidof, quoi qu'on puisse dire, il est dans l'utilité sociale de l'art. Je vais vous donner une anecdote simple. La dernière fois que je l'ai rencontré, à part l'invitation qu'on a, l'invitation Binkowo pour le festival Guédiawaye Bayram, on s'est rencontré à Walf. Quand je suis venu à Walf pour nous défendre l'émission de Managmom, on ne se parlait pas. Parce que Managmom, on a eu 3 mois, Djubo 2 mois, on a eu 2 mois, etc. Et c'est important. Nous sommes aussi qui trop. Donc, quand nous sommes venus, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je t'appelle, tu ne prends pas ton téléphone. Je lui ai dit, respecte-moi. Tu veux que je m'invite à cet événement, je suis venu, mais toi, tu n'es jamais venu au show of the year. Et pourtant, à chaque fois, je prends la peine depuis 10 ans de t'envoyer une invitation. Je lui ai dit, je ne peux pas dire. Donc en fait, c'est pour dire qu'effectivement, c'est une personne qui te dit ce qu'il pense en face. Et c'est important. Man, lool mom duggal ci affaire bi que na ñew ay mobilisation amna ñu bari ñu théoriser ni grave légui taper la def ci def ndoxum glace. Mais oui, pour cette affaire, pour que les artistes qu'on les pour la liberté de l'artiste, parce que l'art est important dans un pays. Maintenant, un live où on dit Saga Ndey, où on dit wax affaire yu beure beure artiste bu nek da ngay soukandiku ci cette trajectoire. Un historien qui fait un live n'insultera pas. L'insulte est permise dans le rap. Moi je fais partie de ceux qui défendent l'insolence et l'indécence et la violence verbale du rap. Un rappeur insulte. Merci beaucoup. Simon.